Tu mettrais ça quoi? Action ou comédie? Comédie, action. Allez, on se met en place, on va la tourner alors. Action. Cinema Inch'Allah is een film over vier Belgo-Marokkaanse filmmakers die al sinds hun tienerjaren in Brussel low-budget actiefilms maken. Si, si. C'est loué un maximum aux gens. Voilà, le but c'est que les gens le voient. Mais... Si t'aimes bien, tu dis t'aimes bien. Si t'aimes pas, tu dis que t'aimes bien. Mais il peut le voir. Je rigole. Tijdens de film Cinema Inch'Allah volgen we eigenlijk de tournage van hun laatste film. Die heet Jamal Disco 2. Mais qu'est-ce que t'en penses? Et toi, Jamal? In twee weken draai ik mijn langspeler. Maar Farid, hoe je zei, ja, ik begin nu aan de pre-productie. En dan is dat in twee weken met gans het netwerk. En die bellen elkaar direct en die groep is dan plots. En je moet altijd klaarstaan. Je bent altijd klaar. Er is een uitdrukking die zegt, als een Marokkaanse vriend je vraagt, kun je niet weigeren. En dat is wel handig als je een film aan het voorbereiden bent en je begint favors te vragen. En niemand kan weigeren, dus dat wel, gaan we kunnen over twee weken wel enorm veel doen. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui s'entretient, qui cherche du travail. Toi, qui dois faire une bonne coupe. Des mecs comme Farid, ils ne cherchent pas du travail. Ils ne cherchent pas de boulot. Alhoewel dat er veel humor en dat er wel veel wordt gelachen in de film, denken wij of hopen wij, is niet uitleg omdat wij... Het is ook een autoportret. Hè. Het is ook, wij zijn ook filmmakers. Het is, wij zijn ook geen gevestigde waarden of zo. Het is echt al voor ons een stukje ook een autoportret. Dus wij zien onszelf wel ook bezig. Séquence 3, plan 4, deuxième. Oké, tout le monde les mains en l'air. Personne ne bouge. J'ai bien dit, bien senti. Dites-vous qu'après c'est calme. Ik denk dat er in België toch wel altijd een glazen plafond bestaat. Ik denk dat het personage van Noon, die jaren op de filmset werkt en nooit verder geraakt dan runner. En als je Noon kent, betrouwbaarste kerel, correctste kerel ooit. En dat die gast niet meer kansen krijgt dan gewoon maar bij wijze van spreken toiletpapier op de set te brengen. Moi, je veux plus faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois les choses comme elles sont réellement. Je peux pas continuer, je peux pas être comme on a fait. Avant, j'étais vraiment dans un monde de fou. Ça, c'est du cinéma. Mais dans la vie réelle, il y a un autre réalisateur qui réalise tout le film, toute la Terre, tout l'univers. Wat de gemeenschappelijke kenmerk is van hun vier, is dat cinema voor elk van hun één vitaal is. Het is van vitaal belang om gewoon maar te kunnen leven. Red, dat zeg je bijvoorbeeld, het is mijn drug. J'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de ça pour vivre. Putain, ma mère, elle me verrait comme ça, même le nom Chepchoubé, elle me l'enlève. Rigole pas. On mène une vie, c'est pas le grand luxe, et quand on tourne, ben on s'évade un peu. Je préfère tourner, même s'il n'y a rien derrière, tu vois, parce que voilà, il n'y a pas de financement. En même temps, voilà, à un certain âge, tu dois gagner ta vie aussi.